Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve justement pour une nouvelle vidéo, donc il est 16h, je viens seulement de me connecter à 16h, voilà. Je pense que ça en dira long sur le titre. Donc je viens de me reconnecter et voilà, seulement à 16h, sans doute que vous allez me demander pourquoi, parce que j'ai justement un objectif à atteindre. Mais j'ai bien peur malheureusement que cet objectif, ça risque d'être très compliqué. Ça risque d'être super compliqué. Comme vous savez hier d'ailleurs, bon, il y a eu des réactions par rapport à hier, franchement j'ai pas compris. Et franchement je vais même pas vous mentir. Bon, c'est pas forcément une vidéo coup de gueule, mais j'ai même pas la force de répondre en fait à des personnes qui encore sont étonnées. C'est-à-dire que j'arrive encore à vous prévenir que. Enfin, il y a encore 2 jours, je vous avais dit les gars, profitez bien, c'est ma dernière astuce Kama que je vous proposerai parce que les prix sont en chute. D'ailleurs justement bah dans la vidéo bah bon j'ai sorti tout à l'heure voilà donc logiquement celle-là vous l'aurez demain mais bon il y a des personnes qui me comprennent parfaitement, il y en a qui voilà qui sont des têtes de mule je pense qu'on peut dire ça clairement là-dessus. Moi il y a des réactions en fait qui m'ont étonné, donc comme quoi c'était bien fait pour moi, comme quoi en fait en gros j'étais que je savais que ça allait se produire. Alors moi je pense vous l'avoir dit en fait même en ce début de série PVM, enfin en tout cas dès qu'on a commencé la deuxième partie, hein, lorsqu'on a commencé le mode Kama, lorsque j'ai commencé à vous proposer des tutos Kama, moi clairement j'ai joué franc jeu avec vous, je vous l'ai dit. Les youtubeurs qui font des techniques Kama toute l'année, franchement je peux pas saquer, c'est horrible. C'est horrible parce que en fait moi-même je sais pour un youtubeur, surtout qui a, admettons, à partir de 10 000 abonnés, faire des tutos Kama, faire des milliers de vues, etc. C'est un point mort pour l'économie. Mais en fait, c'est marrant parce que quand je vous dis ça, j'ai l'impression que je me répète tout le temps. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je vous l'ai déjà dit. C'est-à-dire que moi, concrètement, et je vais encore me répéter dans cette vidéo, c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais les techniques que je vous ai présentées maintenant, bah, cette semaine et la semaine dernière. Les techniques que je vous ai présentées, c'est seulement pendant un laps de temps. C'est-à-dire que pendant toute une année, vous allez voir, voilà, une semaine où je propose des tutos Kama. Le reste du temps, ça va être des donjons, ça va être des succès, ça va être du colis 1v1, 3v3, peut-être même de l'agro perco, etc. Enfin, voilà. Moi, voilà, bon, j'ai voulu vous montrer, tout simplement. J'ai voulu vous montrer mon quotidien, mes astuces. Après, comme je vous l'ai dit, globalement, la majorité des astuces que je vous ai montrées, c'était des astuces qui étaient déjà connues, mis à part bon, les flips, etc., les nerfs, et encore ça, il y avait quand même une bonne partie qui le savait. Mais les offres en or, l'achat-revente, le brisage d'items, les métiers, tout ce que je vous ai donné, au fond, c'était juste un appui. C'est-à-dire que je vous ai donné, moi, mes astuces à moi. C'est-à-dire que les astuces en soi étaient connues, mais avec une certaine approche, enfin, une approche différente. Moi, personnellement, lorsque je me levais, c'était. Il fallait penser Kama. Tout de suite, voilà, dès que je fais un truc, même encore à l'heure actuelle, là je me connecte très peu, je vais pas vous mentir, hein, les 2-3 derniers jours, heureusement que j'ai préparé des vidéos à l'avance, mais je me connecte très très peu, je reste même pas 1 heure en fait. Je reste même pas 1 heure à jouer parce que j'ai une grosse baisse de motivation, donc forcément les prix, et surtout la vente. En fait, c'est pas forcément. Les prix en fait, c'est un bonus de démotivation totale. Lorsque je vois, bah regardez, hein, quand je me suis reconnecté, donc je m'étais pas co depuis hier. Que 1,3 million de vendus, je dois avoir 50 millions à tout péter en HDV. Et finalement, j'ai remarqué une chose, les gars, c'est qu'en fait, j'avais mis quelques trempes parce que clairement, j'en avais eu marre de voir les prix baisser. Et après, en fait, j'ai arrêté de changer les prix. Donc, les bois à 100 000, je les avais mis il y a 2 jours. Et il y avait un gars qui avait mis entre temps entre 100 000 et 130 000. Finalement, tout est parti. Enfin, pas tout, vu que j'en ai encore. Les écorces de nerf, voilà, le prix qui avait chuté à 30 000. Mais voilà, comme je vous l'avais dit là il n'y a pas si longtemps dans une vidéo, je vous avais dit, moi quand le prix baisse trop, franchement, je laisse les gens faire. Si vous voulez baisser le prix à 20 000 km à unité, faites-le, moi c'est pas mon souci. Mais voilà, une baisse de motivation. Je me fais beaucoup moins de bénéfices par jour. Il y avait des jours où je me faisais 10, 20, entre 10 et 20 quoi. 10 à 20 millions de Kama par jour. J'étais super content. Quand je me connectais, il y avait tellement de trucs qui se vendaient. Mais là, clairement, je suis dans une impasse parce que, en fait, on est un petit peu le 23 lorsque vous aurez cette vidéo. Il me restera bah, un peu plus d'une semaine, 1 ou 2 jours.
pour me faire. Bah, il faut savoir qu'en fait, je suis toujours à 100. Je dois avoir 106, 107 millions. Mais voilà, ça avance très lentement. C'est pour ça que j'ai peur de ne pas atteindre les 200 millions. En fait, pour moi, c'est quasiment une certitude parce que là, je suis en train tellement de réfléchir. Je réfléchis, mais je me dis, mais comment je vais me faire 100 millions en une semaine? C'est ce que je me dis. Et il y a des réponses qui tournent autour de ma tête, qui me disent, ah, la carte bleue, allez, sors la carte bleue. Vous savez, il y a énormément de personnes qui ne se rendent pas compte, mais les joueurs achètent. Les joueurs vendent des e-green. Les joueurs achètent même des kamas. Vous savez pas, en fait, vous dites tous dans votre petite tête, mais comment ils se font des kamas, eux? Comment ça se fait? Ils sont millionnaires? Bah en fait je pense ça doit faire chauffer la carte bleue les gars. Parce qu'il y a des personnes hein, quand je leur demande ouais, mais c'est quoi tes astuces etc, qui sont complètement perdus dans le jeu. C'est à dire ils ont des stuff totalement comment pourrais-je appeler cela, totalement anodins. Des stuff qui sortent de l'ordinaire, qui connaissent même pas forcément le jeu hein, qui ont des teams de 6, 7, 8. Et quand on leur pose la question, mais tu te fais comment des kamas mec? Et encore pire, en fait, moi, c'est même pas ça qui me met la puce à l'oreille, c'est leur façon de jouer. C'est-à-dire, ils sont super riches, hein. Tous leurs persos ont 6, 12, 6, full Dofus Ocre, full Exo. Et quand on les voit jouer à faire une capture Ben à Bonta, mais je pense que les gars, vous pleurez de rire, vous pleurez de rire. C'est, franchement, c'est à mourir de rire, les gens, bon. Après, voilà, ils font ce qu'ils veulent, hein, s'ils sont riches dans la vraie vie. Et qu'ils ont de quoi mettre 200, 300, 500 euros là-dessus. Ah, écoutez, après, voilà. Il y a acheter des kamas et y a vendre des urines, c'est une chose totalement différente. Puisque bah, acheter des kamas, je pense, vous faites quand même bien plus de thunes qu'en vendant des urines. Même si en vendant des urines, vu que le prix est assez cher, c'est assez rentable. Mais enfin, bon. Voilà, moi, comme je vous l'ai dit, voilà, petite démotivation. Enfin, peut-être même grosse, parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, encore, hein, il y a encore quelques jours, quand les prix n'avaient pas autant chuté, je me connectais, je vous assure, hein, je me connectais à partir de 9h du matin, je me disais, hop, 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 on va farmer lourd, hop, 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 on va bûcher, hop, 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 on va farmer des zones. Mais là, c'est clairement pas ça. Non, 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 non. Non. Là, je me réveille midi, quoi, je sais même pas quoi faire. J'avais ma petite chicha, et puis voilà. La journée des vacances. Non, voilà, grosse démotivation de ma part. Bah, de toute manière, ça arrive à tout le monde. Hein. Ça m'est déjà arrivé pendant des objectifs milliards. Mais je pense pas que ça soit des aussi grosses démotivations que ça. C'est-à-dire que là, je joue même pas, en fait. Je joue plus. Ça fait 2 jours que je joue plus. Certes, vous voyez des vidéos depuis 2-3 jours. Mais c'est des vidéos qui ont été tournées juste avant, en fait. Et bah, du coup, je me retrouve un peu dans la merde. Donc là, on peut voir des captures glourdes. C'est les miennes, ça fait une semaine que je les ai foutues, ça fait une semaine, il y en a 5. Je sais plus quoi faire, parce que l'astuce des captures, alors peut-être on va me dire, ouais, mais moins cher, ouais, mais sauf qu'en fait, c'est les seuls en HDV de capture lourde, c'est les miennes. Est-ce que je vais me rabaisser à les mettre 100 000 ou 200 000 kamas moins cher pour que ça se revende mieux? Concrètement, je sais pas. Concrètement, je sais pas. Bon après voilà, les HDV comme je vous l'ai dit, moi ce qui en fait la grosse démotivation le plus, c'est les gens qui changent le prix. J'ai rien contre eux, hein. Tout le monde change de prix etc. Mais pour moi ça va trop loin, voilà, voilà. Vous savez quoi, ça je vais retirer. J'attendrai la fusion de serveurs, c'est pas grave. Ça c'est le genre de ressources qui coûte 500 000 unités. J'ai dû m'abaisser à les vendre à 200 000, il y en a quelques-unes qui sont parties. Les stabs, c'est pareil. Franchement, je suis fatigué, les gars. Je suis fatigué. Mais en fait, je pense que vous savez pas, en fait. Au fond de vous, vous savez pas. Parce que vous, en fait, au fond, vous voyez 10 à 20 minutes de vidéo par jour. Mais derrière, les gars, il y a des heures, des heures, des heures, des heures, des heures. Vous savez pas. Parce que, admettons, ça m'est arrivé, hein, bien sûr. Hein, la semaine dernière, ça m'est arrivé de jouer 8, 9, 10 heures dans la journée. Ça m'est arrivé d'avoir des journées geek. Tout ça pour qu'au final vous ayez 20 minutes de vidéo. Mais dans les 10 heures là, vous voyez pas combien de fois je change de prix. Et là actuellement où je vous parle, en fait je suis fatigué, voilà. Regardez, toutes les ressources ont été changées de prix. J'avais changé encore hier soir. Et moi je suis fatigué, franchement j'enlève tout HDV, voilà. Les oreilles d'Apériglours, le machin, il était à 200 000 les 10. Les gens veulent casser les prix, bah casser les prix c'est pas grave. De toute manière, si je suis pas opti avant la fusion, ça sera après. L'économie n'en sera que plus bonne, je pense. Après, sans doute que le prix va baisser, hein, après la fusion. Faut pas non plus
Enfin voilà, ça va pas être le monde des bisounours après la fusion, loin de là les gars. J'ai comme voilà, comme je vous l'ai dit des fois, par moment j'ai des retours vis-à-vis de la fusion des serveurs. On me dit que l'économie est très bonne, hein, tout se vend très bien, mais le prix est pas forcément super agréable, pas forcément augmenté juste après la fusion. Mais voilà, tout ce qui est là, franchement, ça sert à rien les gars. Vous pouvez laisser pendant des mois, de toute manière ça partira pas. Sauf ça là, ici une poche, il y en a une qui s'est vendue. Mais sinon le reste, tout le prix a baissé. Pour moi, est-ce que c'est normal que le prix... Enfin, c'est normal qu'il y a des gens qui veulent vendre. Mais je pense qu'il y a surtout une personne qui tout le temps met des prix tout le temps en dessous. Qui doit jouer toute la journée, il doit juste changer des prix, les gars. Limite, il regarde ma vidéo. Ah, attends, Joy, ah, il vient de sortir une vidéo. Ah, l'enfoiré, oh là là, bah attendez, je vais modifier les prix. Bon, peut-être que je suis parano, mais vu le nombre de mes astuces Kama qui baissent, c'est en chute libre. C'est pour ça que, comme je l'ai dit, démotivation totale. Le bois, bah c'est pareil. Franchement, le bois, moi je vous le dis, hein, moi je le retire maintenant. De toute façon, on va bien rigoler après la fusion. Quand 3 mois après, quand le prix du bois va... Pfff. Ah non, mais moi je vous dis pas. Hein. Concrètement, je vous dis pas. Alors, c'est ça ma panopode, ouais, c'est ça. Enfin voilà, s'il y a des personnes hein, qui... Non, parce que c'est vrai que de base, c'est quand même moi qui vous donne de la motivation quand je joue ma team, quand je vous propose des techniques Kama. Mais je pense que là, j'aurais besoin d'un petit coup de main vis-à-vis de la motivation. Là, j'en ai plus. Il n'y a plus rien qui se vend. C'est dû à 1 million par jour. Concrètement, c'est pas assez. Comme vous savez, je dois me faire limite 10 millions par jour. Donc c'est 10 fois plus. On me dit, ouais, mais t'as qu'à jouer 10 fois plus. Ouais, mais d'accord, mais le problème, c'est que déjà, pour jouer 10 fois plus... Il faut avant tout qu'il y ait des ventes, parce que s'il n'y a pas de ventes, justement, il y a zéro motivation, et forcément... Au final, ça devient lourd. Bref, toutes les ressources, franchement, j'ai aimé en HDV, parce que... Ça a été une galère. Une galère. Ça fait, en fait, depuis que j'ai commencé, que j'essaie de m'adapter. En fait, j'essaie de m'adapter à l'environnement, et c'est tout le temps ce qu'il faut faire. Même dans la vraie vie, hein. Faut s'adapter à l'environnement. Mais là, même quand on essaie de s'adapter... Quand vous voyez des prix, quoi, non, mais c'est... Franchement, c'est aberrant, et je pense que les personnes, même, qui mettent un HDV, ils se disent, pourquoi je mets ça, quoi. Au final, je me suis adapté, mais moi, je lâche l'affaire. Enfin, c'est même pas que je lâche l'affaire par rapport à ma team, ou par rapport à me faire des camas, c'est que je lâche l'affaire par rapport au prix, par rapport à ceux qui changent toutes les 2 minutes. Si vous voulez changer toutes les 2 minutes, faites-le. C'est pas grave. Tôt ou tard, ça partira. Ça part pas aujourd'hui, ça partira la semaine prochaine et sans doute même avec un meilleur prix, vu le prix quand même qu'ils proposent. Regardez le tremble, voilà, 99 000. 99 000, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, il y a des personnes justement qui m'ont dit bah, dans les commentaires, d'ailleurs je sais plus. Ouais, donc et Drake, hein, Offender qui m'a dit, le problème c'est surtout les trous du cul qui, au lieu de baisser de 1 kama, bah ils baissent de je sais pas, voilà, par exemple 20 000 kama. Voilà, je pense qu'il vient de tout dire et malheureusement c'est ça en fait, pour beaucoup de ressources. Bon après voilà, il y a des personnes qui comprennent. Voilà, donc Mariana c'est pareil. Hein. Par exemple, voilà, Sfax qui a fait une vidéo, mais lui, bon, il en fait toute l'année, c'est pour ça que... Ben, voilà, faire des astuces Kama toute l'année, faites-le si vous voulez, mais après vous étonnez pas si le prix, quoi, il baisse. À la limite, faites-le un mois après que vous l'avez, enfin, que vous ayez bien charbonné le truc. Limite, bon, ça dérangerait bah, quasiment personne, mis à part bon, ceux en question qui connaissaient déjà la technique. Mais, enfin, voilà. Les personnes qui me conseillent de garder pour la fusion des serveurs. Enfin, bref. Du coup, je sais même plus, en fait, ce que je vous disais par rapport au prix. Mais bon, voilà, bah, après, voilà... Ça que dire. Ah oui, non, en fait, c'était une personne, mais je sais plus dans quelle vidéo, mais normalement c'était celle justement, celle d'hier, mais qui m'avait dit, ouais, mais Joy, c'est normal, comme tu l'as dit dans ta vidéo, le bois tremble, on est passé de couper par unité, donc on coupait en fait un tremble, on pouvait pas couper plus, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous coupez un tremble, vous en avez un. Maintenant, c'est 7 à 8, et la personne disait, comme quoi, bah c'est normal, vu que maintenant il y en a plus, sauf que non, en fait, avant il y avait beaucoup plus d'arbres, là, il y a à peine... Il y a même pas 20 arbres dans tout Free Ghost. Alors qu'avant il y en avait 40-50, mais c'était par unité. Donc finalement le raisonnement est... Comment dire que le raisonnement finalement en vrai il est un peu bof. Il est un peu mauvais parce qu'en fait en soi,
Le prix a pas changé depuis un an et la mise à jour elle a été faite il y a plus d'un an justement, donc au final ça a aucun rapport avec ça. C'est juste que depuis que j'ai dit voilà, bûchez du tremble les gars, tapez du tremble, prenez les ressources en question. Là vous avez pu voir hein, l'écorce de nerf, c'était 100 000 unités, maintenant c'est 25 000, voilà, en même pas une semaine c'est nickel. Moi franchement je me plains même plus parce que j'ai plus la force de me plaindre. Je change plus les prix en HDV parce que j'ai plus la force de changer les prix. Ceux qui veulent changer, bah changez-le bien. Voilà, mettez-le tout en bas, hein. Mettez-le un Kama. Et je vous assure, hein, des fois j'ai déjà vu des ressources à un Kama. C'est tellement les gens ils ont du temps à perdre, voilà. Ils ont du temps à perdre sur Dofus, franchement ça me fait vraiment rire. Une fois, bah je crois que c'était les runes. Il me semble que c'était les runes, attendez, on va aller regarder. C'était les runes, n'empêche, oulala, la vidéo elle est en train de durer pour rien. Regardez, voilà, il y a des gars, ils mettent 37 Kama unités. Les gars, vous voulez quoi dans la vie? Vous voulez acheter quoi en fait? Du pain blé complet toute votre vie ou même pas du pain à Macna à 10 Kama unités? Non, mais concrètement, ça sert à quoi en fait les ventes par unité? À part, voilà. Alors, ça c'est putain, non, mais hey, sincèrement, c'est qui se dénonce? Qui a foutu une rune pod, donc en plus qui ressemble à une banane? À un Kama, c'est quoi ton délire? Déjà, je pense que pour mettre. Attendez, je vais essayer un truc. Pour mettre la ressource en question à un Kama, si je mets un Kama, est-ce que je paye une taxe? Non, mais c'est biche. Je paye une taxe. Mais putain, mais le gars qui a fait ça, mais c'est un putain de génie. C'est un génie, ce gars-là. Donc, il a mis une rune à un Kama qui lui a coûté un Kama de taxe. Et franchement, c'est un putain de génie. Bon, il y a quand même carrément des gens qui s'amusent avec les chiffres, hein, 69, voilà. Les runes Gapea, est-ce que ça a augmenté depuis le temps? Oui, voilà, ça a un petit peu augmenté. Donc les runes hein, dont je vous avais parlé dans la vidéo brisage d'items, donc bon, le prix, voilà, encore une fois, il passe de 20 000 à 12 000 en deux jours. Je sais pas trop pourquoi. En fait, j'ai pas envie d'essayer de comprendre. Maintenant, voilà, je vais laisser. Sans doute que par cent, voilà, c'était moins cher. C'est pour ça qu'il y a un gars qui a écrasé les prix, mais bon, ils font ce qu'ils veulent, les gens. On aurait pu faire un peu de bénéf hein, pour les gens qui se vendaient par 10, parce qu'il y a des gens qui achètent par 10 et non par 100, parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de runes. Mais voilà. En tout cas, bah, les gars, j'espère que cette vidéo bah, vous a pas forcément plu. Enfin, j'espère qu'elle vous a plu quand même, mais... Moi, je suis juste fatigué, voilà. Je suis fatigué, en fait. Je suis fatigué. C'est les vacances, faut se reposer. Les gens qui cassent les prix, voilà, bah... Continuer, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais continuer jusqu'à la fusion des serveurs. Parce que je pense qu'en fait, après la fusion des serveurs, votre ressource cassée va être... va partir tellement vite que finalement ce sera nous qui serons. Enfin, ce sera nous qui sont en bénéfice, bien sûr. En tout cas, les gars, je vous fais des gros bisous et puis bah, je vous dis à très vite. Espérons qu'il y ait une vidéo pour vous demain. Je vous fais des gros bisous, c'était Joystick. Ciao, les gars.